bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la recette d'un démêlant, donc pour ma nièce, qui sera nourrissant et anti-frisottis. Donc ici j'ai l'eau, le BTMS, le conditionneur végétal, l'huile d'avocat. Dans le petit bécher, j'ai déjà mis la kératine protect, la protéine de riz. J'ai également mis la fragrance et le colorant. Donc je reste sur son colorant habituel, c'est le rose blush qui fait un petit rose pastel. En tout dernier lieu, il faudra ajouter donc le Cosgard. Je mets cette partie au bain-marie et on se rejoint d'ici 5 minutes. Je vous retrouve avec notre démêlant complètement fondu. J'ai commencé à le remuer dans le bain-marie parce que le conditionneur végétal restait en surface et refusait obstinément de fondre. Et c'est qu'en commençant à le mélanger qu'il a commencé à disparaître. Donc je mélange encore un bon coup. Je m'assure qu'il n'y a rien collé aux parois ou directement au fond. Et là, je vais laisser refroidir avant de pouvoir ajouter les actifs et le Cosgard à la toute fin. Le mélange a bien épaissi. Il a également bien refroidi. Je vais venir ajouter la totalité des ingrédients puisque c'est froid. Je vais donc commencer par peser le Cosgard. Je vais prendre une pipette, ça ira plus vite. Je viens également ajouter donc protéines de soie, carétine protect, fragrance et le colorant. Ok, j'attrape mon flacon, je vais essayer de le remplir comme ça, et si je vois que j'arrive pas, j'attraperai un entonnoir. Je vais mettre l'entonnoir tout de suite. Voilà, donc je vais le laisser ouvert. Il va tranquillement travailler encore un peu. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, comme je vous ai montré l'autre fois, je passe tout au chiffon. Et après, je mets au lave-vaisselle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook, TikTok, Gmail, ainsi que là, sur les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.